Bien. 20 cartes aléatoires sont placées sur une rangée toute face cachée. Le mouvement consiste à prendre une carte, à la faire passer face ouverte et à retourner la carte immédiatement à sa droite. Démontrez que, quelles que soient les cartes que l'on choisit de retourner, cette séquence de mouvement finit par s'achever. Nathan, te cacher au fond de la classe ne t'aidera pas. Peux-tu venir nous expliquer cette chose ? Vas-y, Nathan. Pas considérer les cartes comme des cartes, mais comme des chiffres. Alors, on peut dire que les cartes face cachée correspondent à 1 et les cartes retournées à 0. Dans un premier temps, on aurait une séquence de 1 puisque les cartes sont toutes face cachée, mais après un moment, ça donnerait quelque chose comme ça. Comme on peut le voir, c'est un nombre binaire. Alors le mouvement qui consiste à faire passer une carte face cachée à face ouverte et à retourner la carte immédiatement à sa droite pourrait être ce 1, suivi de cet autre 1, qui se transforme en 0, suivi d'un autre 0. Quelque chose comme ça, où ça pourrait être un 1 suivi d'un 0, qui se transformerait en 0 suivi d'un 1. Dans les deux cas, on peut voir que le nombre binaire décroît de façon stricte. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que cette séquence doit se terminer. Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas soustraire un nombre entier positif sans qu'il devienne négatif. Non, on ne peut pas. C'est tout à fait ça. Bon travail. S'il vous plaît, on peut l'applaudir.